Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, d'être venus ce soir pour ma toute nouvelle émission sur mon plateau à moi, à moi. Ah oui, à moi. Pardon, pour un donc tout nouveau débat. Le thème du débat ce soir, les hommes préfèrent les blondes, mais les brunes ne comptent pas pour des prunes. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lia. Merci. Asseyez-vous. D'accord. Merci. Bien, alors, les hommes préfèrent les blondes, mais les brunes ne comptent pas pour des prunes. On sait tous ce que représente la blonde. Hein, la blonde, c'est quoi? La blonde, c'est le stéréotype de la femme parfaite. C'est celle qui fait fantasmer tous les hommes. C'est la couverture des magazines. C'est le top modèle. C'est le canon. C'est le canon, la blonde. Et pourtant, il y a aussi des boudins. Alors justement, vous qui êtes blonde, vous vivez ça comment exactement tous les jours au quotidien, le fait d'être blonde? Oh bah alors moi je vis ça très simplement. Ouais. Je me dis voilà, je suis blonde. Mais enfin, j'aurais tout aussi bien pu être brune. Oui, s'il vous plaît. On ne commence pas sur ce ton-là, qui me paraît un petit peu déplacé, d'accord? Et on ne se moque pas de sa petite camarade parce qu'elle est brune. S'il vous plaît. Ah non, mais je ne me moque de personne. Non, s'il vous plaît. Ah, si, tout le monde a saisi l'ironie et le mépris dans votre voix quand on vous a dit « j'aurais pu être brune ». S'il vous plaît. Je vous demande de rester très correct au cours de ce débat, s'il vous plaît. Je n'ai perçu aucun mépris ni aucune ironie. Ah, elle joue la carte de l'indifférence. C'est bien, c'est une très bonne contre-attaque, ça étoque la blondasse. Mais je n'ai jamais voulu. Elle a dit velu. Attendez, maintenant vous attaquez le système pileux de la brune, c'est ça? C'est la moustache, les poils sur les bras, le tablier de forgeron. La portugaise, quoi. Hein? Écoutez, je vous demande de rester très correct au cours de ce débat, s'il vous plaît. Il y a deux solutions maintenant, hein? Ou bien vous vous calmez, ou vous quittez le plateau. S'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous toutes les deux, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit. Asseyez-vous. Mais il faut que je vous sépare ou quoi? Taisez-vous. Si on parle tous en même temps, on va pas se comprendre. S'il vous plaît, on reprend calmement ce débat, s'il vous plaît, calmement. Ça suffit. Ta gueule. Reprenons calmement. Alors vous, regardez-moi vous. Vous qui êtes blonde, pour vous, qui représente la brune type? Ce brune, c'est qui? Gina Lollobrigida. Toute l'Italie. La grosse Rita avec les poils au nichon, c'est ça, hein? C'est des poils qui reviennent, c'est complètement obsédé par les poils, pauvre malade. Faut vous faire soigner, pauvre taré. Tout cela, elle a un petit peu... Et vous qui êtes brune, pour vous, qui représente la blonde type? Je dirais Marilyn. La pute. C'est ça, pour vous, toutes les blondes sont des putes et vous, les brunes, des tas de poils, c'est ça? Alors, je vous demande d'arrêter ce genre de propos, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est du racisme. C'est du racisme. C'est pire que du racisme. C'est de l'antisémitisme. Parce que vous, c'est pas parce que vous êtes blonde et probablement d'origine germanique qu'il faut en vouloir à cette pauvre fille brune, très certainement juive. Je ne suis pas juive. Oui, ça va bien. Ils ont tous dit ça pendant la guerre, alors ça va bien. Et moi, je ne suis pas allemande. Oui, alors ils ont tous dit ça après la guerre, alors ça va bien. Je le dirais si j'étais juive. Bah, arrêtez, juive, arrêtez. Vous allez l'énerver, la teutonne. Regardez la grosse teutonne, hein. Et quand t'es beau, oh oh. Ah, ça y va, la bière et la choucroute, et ça pète sous la couette à la vieille. Ah, mais je savais que ce serait difficile, une émission avec deux femmes. C'est quoi les femmes? C'est des sujets complètement hystériques. Regardez les hystériques. Regardez,
Regardez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Vas-y. Mais amène-toi, vas-y. Ah, t'as la trouille, t'es comme ça, hein? Péné, là! Allez, amène-toi, allez, frappe-moi! Vas-y, frappe-moi! Oui, vas-y! Oh oui, frappe-moi! Oh oui, je le mérite! Oui, ça y est! J'ai mon scoop, sur moi les caméras! J'ai mon scoop, je jouis! Oh oui! Excusez-moi. Je suis un petit peu emporté là. Bon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau débat. Pouvez-vous vous lever? Nous parlerons dès la semaine prochaine sur un nouveau thème. Nous parlerons des beaux, les beaux. Et les moches. Vous faites quoi la semaine prochaine, vous, hein? Bonsoir.